C'est une page d'évangile qui est terrible. On reconnaît à Jésus sa capacité de libérer quelqu'un qui est possédé par un esprit mauvais. Donc on lui reconnaît. Mais on ne voit pas qu'il œuvre parce qu'il est fils de Dieu. Et que ce que Jésus fait, c'est Dieu qui le fait. Vous le savez comme moi, Jésus dira ailleurs dans l'Évangile, « Qui me voit, voit le Père. » Le Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis toujours à l'œuvre. Ceci dit, croyons-nous à l'œuvre du Christ aujourd'hui? Aujourd'hui. Croyons-nous que Jésus est capable de libérer quelqu'un qui est démoli par un esprit mauvais, un esprit qui n'a rien à voir avec le Christ. Et donc, il commence à juger Jésus, à l'attaquer, ce par Belzéboul. Et puis Jésus leur rétorque, « Et vous, comment est-ce que vous faites ?» pour chasser les mauvais esprits. Peut-être que c'est une question pour nous. Vous, comment faites-vous pour chasser les mauvais esprits qui vous agressent de toutes sortes de manières et pour toutes sortes de raisons? Quelle est votre arme? Quelle est votre arme pour ne pas vous laisser attaquer par les mauvais esprits? Quelle est votre arme? Ici, à Fatima, l'arme proposée aux enfants, c'est la récitation du chapelet. Attention, pas le chapelet à la mitraillette, hein? Comme j'ai un peu entendu cet après-midi, la course du « Je vous salue Marie », quoi. En fait, on récite une formule. Mais elle n'est pas vie en nous. Apprenons à ce que, lorsque nous récitons une prière, elle parte du plus intime de notre être et pas blablabla. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Il y a du danger là. Quand on fait ça, il y a du danger. Donc, Jésus est capable, parce qu'il est fils de Dieu, il nous dit qu'il est toujours à l'œuvre comme son Père. La question alors qu'il pose, c'est vous par qui vous le faites? Moi, si c'est par le doigt de Dieu que j'agis. Et peut-être que là, nous devrions avoir recours à ce que nous sommes en vérité. Nous sommes des enfants de Dieu, que Dieu protège, que Dieu aime, que Dieu n'abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Peut-être que moi je peux l'abandonner, mais lui ne nous abandonne pas. Pensez un peu à cet effort de ce temps de pèlerinage pour lequel vous avez investi, vous êtes ici. Peut-être là une occasion de dire au Seigneur, mais de quoi serais-je délivré? Qu'aurais-tu envie de délivrer que tu vois qui m'emprisonne? Arrangez-vous avec lui. Ici, il y a les petits-enfants, nous irons prier sur leur tombe. Il y a Sœur Lucie et à la Sainte Vierge qui vient nous dire, fais ce qu'il te dit. Avez-vous remarqué aussi que notre Seigneur Jésus dit, lorsqu'un mal est chassé de quelqu'un, ce mal cherche à revenir. Parce qu'un mal qui rôde dans le monde, il cherche un endroit où aller. Il cherche à revenir d'où il est sorti.
Et il est tellement malin et mauvais qu'il revient à 7. C'est Jésus qui le dit. Donc en fait, Jésus est celui qui est fort, qui est notre force face à tout et à tous. J'ai souvent tendance d'attaquer parfois un peu ce qui se passe dans les paroisses après la communion. Après la communion, directement, on tourne les pages d'un livre, on cherche une partition, même si on ne chante pas ce qui est dessus, parce qu'on faut chanter. Or, je vous engage à faire ça ce soir, à faire ce que faisait Thérèse de Lisieux. Quand elle avait communié, elle retournait à sa stalle et elle demandait à Jésus comment il se sentait en elle. Elle reprenait Matthieu 25. Est-ce que tu es bien en moi? Est-ce que tu n'es pas un étranger? Est-ce que tu es pas malade en moi? Est-ce que tu as assez visité? Est-ce que tu n'es pas en prison? Si nous voulons qu'il soit notre force, il faut l'aider à ce qu'il soit bien en nous. Je suis intimement convaincu que le souci de la Vierge Marie, c'est de voir son Fils heureux en chacun de nous. Jésus heureux en chacun de nous, c'est Jésus le Sauveur. Si j'ai bien compris, il n'y a qu'un seul Sauveur. Jésus-Christ, celui dont la Vierge vient nous dire maintenant, fais ce qu'il te dit.